Tiens, bravo. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une combinaison de musique que je connais. Vous savez que rien n'arrête Bertrand Roulet. Par exemple, c'est un wagnérien accompli. Oui. Ah, oui. Et je sais que vous allez monter Parsifal au début de l'année. Ouais. Et il pourrait peut-être nous donner une petite, un petit éventail de ses connaissances, peut-être une ouverture. Vous allez voir. C'est le commencement. Très bien, oui. Je sais que Bertrand avait, quand il a su que vous montiez Parsifal, envie de vous poser une ou deux questions sur l'usage d'instruments anciens. C'était ça, Bertrand? Qu'est-ce que tu m'avais dit? Non, mais c'était surtout des questions qui m'intriguaient sur la mise en scène qui est le plus difficile des opéras de Wagner à monter. Et souvent à Bayreuth, ce fut vraiment de la bravoure pour montrer vraiment leur capacité de réaliser certains exploits scéniques, comme par exemple certaines transformations dans l'acte 1, ou bien le château de Klingsor qui disparaît sous la terre, ou encore la colombe qui vient sur la tête de Parsifal à la fin. Et je pense que certainement vous avez transformé ça grandement dans des versions modernes. Oui, je ne veux pas découvrir maintenant les idées que j'ai pour cette mise en scène. Mais si vous êtes libre et si vous avez le temps, vous pouvez toujours assister aux répétitions et voir comment on va résoudre, comment nous essayons de résoudre ces problèmes, spécialement des problèmes qui sont liés au siècle, qui sont liés au 19e siècle et qui sont... plus supportable. Il est évident qu'il faut trouver une transmission de 82 à 82, ça veut dire les 100 ans de Parsifal ne sont pas passés sans que ça aurait touché l'œuvre, pas dans son contenu et pas son mysticisme et pas dans sa musique, mais dans la manière comment il faut le présenter maintenant. Eh bien, nous avons une Eurovision qui nous attend à 22h. Et pour attendre cette Eurovision, cette Mondovision, Bertrand, tu vas encore nous jouer quelque chose. Je voudrais juste dire que cette Mondovision nous permettra d'être en relation avec 24 pays du monde et peut-être en penser avec certains pays qui n'ont pas un Noël aussi paisible et heureux que nous ce soir. Bertrand, nous t'écoutons dans... Un prélude de Schumann, un préambule du carnaval de Schumann.